C'est vrai que vous avez été plusieurs d'ailleurs à nous poser cette question, et comme souvent en médecine, eh bien le suffixe it signifie qu'il y a inflammation, et quant au mot Bartholin, eh bien c'est le nom d'un médecin hollandais du 17e, et ça désigne deux petites glandes qui sont situées à l'arrière des grandes lèvres du vagin. Voilà. Alors elles sont composées, vous allez les voir en plus gros plan, normalement elles vont arriver, voilà, elles sont composées d'un canal qui permet de sécréter en permanence, mais surtout pendant les rapports sexuels, si tout se passe bien, un liquide incolore et filant qui sert à lubrifier justement le vagin. Donc une bartholinite, c'est une inflammation d'une ou des deux glandes de Bartholin. Alors la cause peut être soit une infection par un germe ou bien l'obstruction du canal excréteur de la glande dont Michel vous a parlé. Les symptômes vont se manifester par l'apparition d'une bosse très douloureuse dans les grandes lèvres, souvent accompagnée de fièvre. En quelques jours, cette petite boule peut se transformer en véritable abcès avec un écoulement de pus. Et au premier stade, on peut avoir recours à un traitement antibiotique pour combattre le germe responsable de l'infection. Mais si un abcès s'est formé, eh bien, il faut surtout l'enlever chirurgicalement. Puis quand ça revient, quand il y a une récidive, il est parfois nécessaire d'enlever la ou les glandes de Bartholin, avec bien sûr des conséquences non négligeables.